Prince of Persia, The Sands of Time. Appuyez sur Start. Nouvelle partie. Ah, là c'est moi qui joue. Hop là. Les gens pensent que le temps était un fleuve, suivant toujours le même cours. Et moi, je l'ai vu face à face. Et je vous assure, ils se trompent. Le temps est un océan dans une tempête. Vous vous demandez sûrement ce qui me fait dire ça. Asseyez-vous. Et laissez-moi vous conter l'histoire qui est la mienne. Pour commencer, je suis le fils de Shahriman, roi tout-puissant de Perse. Nous étions partis à la tête d'une petite troupe à travers l'Inde, en direction de Azad. Durant ce voyage, la soif d'honneur et de gloire de mon père nous a fait commettre une erreur fatale. Va, mon fils. J'espère que vous serez fidèle à votre promesse, sire. La salle du trésor du Maharaja se trouve ici. Ah ! Regardez-le. Un vrai fils de guerrier. Ah, ça va être à moi. Croyez-vous que j'ai éprouvé des regrets en voyant la destruction, le fracas des armes et les cris d'horreur? Non, je n'ai pensé à rien de tout ça. En cet instant, je n'ai pensé qu'à une seule et unique chose. Combien mon père serait fier de voir son fils combattre comme un vrai guerrier. Stick directionnel, contrôle le prince, c'est contrôle la caméra. Yes, c'est... caméra. Parfait. Pff, ils se sont fait détruire eux. Déjà, je passe pas par là. Ah, on monte. Yes. Courez vers le bord et appuyez sur A pour sauter. Ah, il y a un truc que j'ai pas lu. Donc. Appuyez longuement sur R. Ok. Ah voilà. Appuyez sur A pour grimper sur une corniche, X pour vous laisser tomber. Oh, ok. Appuyez sur Z pour passer en mode subjectif. Ah, pas mal. Là, il faut aller là-bas. On reste sur le bord en appuyant sur A pour... vers le bord, pardon. J'ai une épée, c'est bon. Fallait où là? Là-bas. Appuyez sur B pour détruire, bah, c'est ce que j'ai dit. Ok. Combat! R pour parer. Allez, bataille, hein, ça ira plus vite. C'est bon. Comment on récupère de la vie déjà? Ah, c'est les fontaines, ça c'est l'eau. Faut trouver de l'eau quelque part. Oula. Bien fait, il était pas mal. Hein. Ce jour-là, tiens,
De nombreux hommes ont cherché à se couvrir de gloire sur le champ de bataille, afin que le roi leur dise, comme Khosrow avait dit à Rustam, « Tu es le plus noble de mes guerriers. » Mais dès que... Il y en a du monde là. 1, 2, 3, 4. Caméra, yes. Longuement sur R, faut courir le long du mur. Ah oui, allez, c'est parti. Yes. C'est fait. Ah, échelle. Parfait. Il n'y a rien. De l'eau. Pas besoin de boire. Ah, dommage. Vite fait, elle est là, la fontaine. Un loup des bains, là, tu marches dedans et tu la bois. Alors ici, appuyez sur A pour sauter. Yes. Ah oui, d'accord. Passer par là. On descend. C'est ça. Ah ouais, c'est dans le trou qui a été fait juste avant là. Méchant. C'est bon. Alors c'est où? Moi je viens de là. Ouais. Oula, comment tu bouges? Ah oui, c'est avec la caméra. Bon, y a pas de porte, une fontaine, y a de l'eau. Ah, c'est pas les piliers. Si, c'est ça. Raté. Faut être plus haut. Parfait. Oula.
Dois-je reprendre mon récit à partir de ce point la prochaine fois ? Ouais. D'accord. Je reprendrai à partir de ce point. Alors, appuyez longuement sur A, affoler l'autre côté alors. Pareil, la même chose, il faut sauter, hein, c'est ça. On court. Appuyez sur R pour monter au mur en courant. Yes. Et elle était là, presque hors d'atteinte. Ah, elle est là. La dague du temps. Un trésor que je pourrais arborer fièrement comme symbole de notre victoire. J'arrive à m'en saisir. C'est où qu'il faut aller? En face? Alors qu'elle est là? On va regarder ça. Oh. Ah oui, je l'ai pas. D'accord, elle est derrière là. D'accord. Par où je passe? Sauter là-bas. En bas, il y a de l'eau. C'est quoi en dessous? Le sablier m'attirait, me fascinait. Les 10 des soldats de mon père n'auraient pas suffi à le déplacer. Je voulais un trésor que je puisse transporter. Alors, faut monter, je pense. Là, je reviens là où j'étais. Ah non, il y a un poteau là-bas. Alors, on va y retourner. Ok. Ça saute tout simplement. Parfait, ici. Ah, les piliers. Piquant. On peut descendre. Là-bas. Yes, bien joué. Ah, une fois à droite, une fois à gauche. Là-bas, je peux aller sur les piliers, le bord. Ah non, pas ici. D'accord. C'est un peu limite. Hein. Ça. Ça. Donc là, on peut pas. Ah, allez, de pilier en pilier. Non, c'est tout en haut. La tête. Il est où le pilier là? Celui-là. Ah,
Est-ce que j'ai tout? Oui, j'ai tout, pas besoin de bois. Montez là. Yes. Ah bah tiens, recommence ça. Parfait. Non. Appuyez ça, nanana, d'un mur à l'autre. Ah oui, d'accord. J'avais ce que je cherchais, et il était grand temps de partir. Oula. Long du mur, on saute. Long du mur, on saute. C'est bon, là comme tout à l'heure. Par ici. Ouais. Oh. Père, j'ai fait honneur à notre famille. Majesté, vous m'avez promis de me laisser l'objet de mon choix. Cette dague. Vous priveriez mon garçon de se souvenir de son premier combat? Faites votre choix parmi tous les autres trésors du Maharaja, à l'exception du sablier. Il fera un beau présent pour le sultan de Azad, puisque nous lui rendons visite. À cela, j'ajouterai quelques fauves pour sa ménagerie. Et quelques douzaines de belles esclaves. Ça devrait être assez. Aucun animal et aucune femme ne doit être maltraité avant que j'ai fait mon choix. Le roi Charaman est généreux dans la victoire, qu'on se le dise. N'accordez jamais votre confiance à un homme qui a trahi son maître, car il pourrait bien vous réserver le même sort. Ça, je l'ai appris, à mon grand regret, le jour où nous sommes arrivés chez notre hôte, le sultan de Azad. Mon ami, votre présence en mon humble demeure m'honore et me comble de joie. Ah, le monde entier chante les louanges de Azad. Et vous n'avez rien vu. Je vous apporte les sables du temps. À l'amitié entre nos deux royaumes, et ce, jusqu'à la fin des temps. Le sable, pourquoi brille-t-il? J'ai l'explication. Ce sablier que vous admirez recèle une merveille que nul n'a encore jamais vue. Hélas, seule la dague peut libérer les sables du temps. Et elle appartient à un autre que moi. Un jeune prince, valant plus que toutes les richesses aux yeux de son père. Allons, prince, s'il vous plaît. Non! Yeah.
Oula, combat. Que je les terrassais, ils se relevaient. Bien vite, j'ai compris que je ne pouvais les délivrer de leur malédiction qu'en prenant à l'intérieur de ma dague le sable qui les possédait. C'est fait. Où allez-vous là ? Oh. C'est bon pour lui. C'est bon. Bien touché. Hein. Ah, c'est point de sauvegarde. C'est le flash télévision. Mais ce qu'il faut faire. Et les sauvegardes. D'accord. Je reprendrai à partir de ce point. Vous me croyez fou? Je le vois bien à votre regard. Vous vous dites que mon récit est invraisemblable? Peut-être ai-je perdu la raison, en effet. Ce serait normal, compte tenu des horreurs que j'ai vues. Mais je vous assure que ce que je vous raconte est on ne peut plus vrai. Ah, de l'eau. C'est ça le pouvoir du temps. Oh, moi je l'ai usé comme pour rien. D'accord. C'est pas grave. D'accord. Il faut aller où là?
machin de là, non? Ah, là-bas, il y a un passage. Elle est là-haut. Attendez! Ah, yeah, les énigmes. Comment passer? Normalement sur L pour exécuter un retour arrière. Ok. Les quartiers des invités où mon père, tout notre entourage et moi-même aurions dû passer la nuit étaient froids et silencieux. Ok, c'est là, appuyez longuement sur Y. Les sables du temps avaient frappé, dévoilant la chaleur et la vie de tout ce qui touchait. D'accord. J'avais été épargné alors que c'était moi qui avais libéré ce cataclysme. Ok. Y avait-il d'autres survivants qui, comme moi, s'accrochaient à la vie, cachés dans les ruines? Ah tiens, ça. Cela semblait voilà. Peu probable. Oh, ça marche, ça, déjà, ça. Augmente sur R. Ah bah la même chose, et on saute. Parfait. Arrêtez! Tu l'as vu? L'avais-je vraiment vu? Ou mes sens m'avaient-ils trompé, traumatisé par tant d'horreurs, en me faisant apercevoir un spectre? Quoi qu'il en soit, je savais que je ne trouverais pas de repos avant de l'avoir revu. Là, elle est plus courte. On va aller par là. J'ai tout. Là, on peut pas. Par ici. Alors, le long du mur. Ah, là-haut, donc. Il y a du monde en bas. Je les ai vus. Tiens. Il y en a par terre, faut les prendre. On n'aura pas le temps celui-là. C'était bien la dague du temps. J'ai alors compris pourquoi les vizirs voulaient tellement se faire. Que pour peu qu'elle contienne assez de sable, la dague avait aussi le pouvoir d'arrêter le temps. Pas pour moi, mais pour l'adversaire que j'avais frappé. Histoire de mur, ça, non? Ouais. Ah, l'autre côté. L'autre côté. C'est bon. Point de sauvegarde. Oui, écraser la sauvegarde. D'accord. Je reprendrai à partir de ce point. Ah, c'est cool, ça.
Bon, ça fait quoi là? Pratiquement 25 minutes, une demi-heure de jeu. Allez, je suis laissé parce que là. D'où me venaient ces visions qui m'assaillaient telles des rêves enfiévrés? Chaque si fois je quitte, je me réveillais. Quitte... Pause, option, quitter. Parfait. Voulez-vous que je parte avant de finir mon histoire? Oui. Comme vous voulez. Allez, à la prochaine!